Quel beau paysage. Magnifique. Non, non, faut pas se retourner. C'est pas comme s'il y avait des explosions, du feu. On devrait se retourner en plus beau le paysage. Magnifique. En vrai, je préfère aller là-bas, ça a l'air plus. Aller plus tard comme aventure que regarder de l'eau à l'infini. Qui s'étend même pas à l'infini. Bon, les amis, c'est Ramnator62 pour une nouvelle vidéo sur Roblox. Ben, comme vous le voyez, on est encore sur Corvoir juste avant qu'il ferme, genre 1 heure avant, 2 heures avant qu'il ferme. Donc, je veux faire genre 2-3 vidéos, comme ça je peux les poster petit à petit. En avant-première, pour vous. Comme ça, pendant ce temps, ce mois, ce 1 ou 2 mois sans Corvoir, triste. Ouais, très triste. Bon. On va aller. Dernière vidéo, c'était il y a 2 jours, je pense. C'était lundi. Non, dimanche. Là, on est rendu mardi. Vous allez voir mardi, on a encore dimanche, là. Je vais la poster plus tard. Je vais vous parler de quelque chose. Hein. Eux, ils ont pas de l'air gentil. Hein. Une banane. Ah, lui, par exemple, il est définitivement pas gentil. Avec une grosse épée comme la. Bah, plus petite que la mienne et plus rapide en plus. Il essaie de parry, mais il rate. Bon, celle-là aussi, ici. On se fait attaquer par tous les côtés. Un gars avec une épée rouge qui se fait appeler. Qui a un bizarre nom. Ah, on n'a pas réussi à le tuer. Mais au moins, on a eu la vie parce qu'on l'a KO, là. Ah, un gars d'animé. Un skin. Je sais pas. C'était quoi comme skin? Ça ressemble un peu à un skin d'animé, mais c'en est pas un. Ah, encore lui. Lui, il est pas très puissant là avec sa massue. Juste après ça, je vais vous mettre. Ça va pas être une vidéo très longue comparée aux autres là. Ça va être plus des trucs là. Je vais juste vous expliquer. Après, on a la musique. Puis les combats. Comme vous me direz si cette vidéo vous plairait, vous plaît. Après, la prochaine vidéo que je vais sortir. Ça va être, je pense bientôt, je vais sortir des vidéos avec Julien sur un autre jeu Roblox. Puis je vais sortir aussi une vidéo sur du hardcore. Aussi. Juste pour vous expliquer avant que le trailer sorte. Avec Julien et puis mon frère William qui est à côté de moi, on a préparé une série sur Minecraft. Il y aura, je pense, 2 à 4 saisons. Gros max 4 saisons, genre la finale, c'est la saison 4. Puis, ben, c'est ça, hein, Will? Donc là, moi, on prépare ça, donc je suis pas trop actif sur YouTube depuis très longtemps. Là, je viens juste de reprendre. Je suis supposé reprendre après Noël, mais j'ai pas genre pas eu le temps, genre. Avec l'arrivée de cet ordi-là, après Noël, on a dû le faire. Grâce à une personne dans ma famille. Puis je suis vraiment content de cet ordi-là. Genre, c'est quand même gâché de le gaspiller sur Roblox, mais pour faire des vidéos, ça bug pas. Genre, c'est bien. Vous me dites, vous noterez dans les commentaires sur 10 mon skill en PVP sur ce jeu-là. J'ai hâte de pouvoir faire une vidéo avec Julien. Lui, il a une arme. Il aurait dû prendre l'élément pour commencer le jeu. Si vous voulez, je peux vous faire un tuto comment bien débuter sur Combat Warrior. On va tuer lui avec sa grosse hache. Bon, on va le laisser en vie. On va le laisser en vie, hein. Il a dit don't mind me. On va le laisser tranquille, là, s'il a dit ça, là. Moi, je suis quand même là pour faire beaucoup de kills. C'est le seul que je vais laisser en vie, je pense. Ça serait cool de coopérer avec quelqu'un, parce que tu peux faire vraiment des trucs épiques, genre tu frappes, l'autre saute par-dessus toi, ton ami, puis il frappe après, comme ça. Par exemple, si tu joues avec cette épée-là pour vous êtes deux, c'est mal barré parce que ton épée, elle frappe genre plein de personnes à la fois. Je pense à la fois, je peux tuer genre 4 personnes. Cette épée-là, elle coûte trop cher. Mais sur cet account, je pense hein, il me reste encore 200 000 $ de plus. Ah, je vais vous montrer, c'est pas une histoire. Je pense même plus qu'on peut aller dessus. Ouais, j'ai bientôt 200 000. Si on va dans le leaderboard, t'as les donations. Tu peux donner des Robux. Après, t'as les kills. Genre 37 000 kills, 25 000. Moi, je
pas encore là, là. Il faut que je prenne beaucoup de kills. Avant, j'étais dans les 20 premiers. Ouais, il a pris la place d'un gars. Il faut vite que je remonte dedans les kills. Genre, t'as eux en termes d'XP. Moi, je suis pas dans en termes d'XP. Là, en description, j'ai le mode de mon groupe. Genre, que le groupe grandisse un peu. Oh. Je l'ai empêché de la tuer. C'est habitué à quelqu'un avec ça. La chaise, là, quand tu vas dessus, elle t'explose. Ça serait cool de faire une équipe avec quelqu'un avec la Longsword. Ça. Après, je vais essayer de jouer avec d'autres armes. Je vais vous faire une compilation avec d'autres armes. À chaque fois que je meurs, j'utilise une autre arme pour vous la présenter. Ben, ça sera ça pour le début de la vidéo. On va commencer ça. On va commencer avec la musique, là, tranquille. Ciao!
c'est la fin de la vidéo. J'ai montré pas mal toutes les armes, genre pas mal toutes. Je pense qu'on va se laisser sur un petit coucher de soleil. Comme la dernière fois. Petit coucher de soleil, on va danser là. Hop, ça c'est parfait. Bon, on va vous dire ciao, à la prochaine. Bah, c'est pas fini. Je vais vous montrer un peu, vous expliquer pourquoi, en quelle arme, pourquoi ils sont plus forts que les autres là. Bon, on va commencer avec l'arme la plus basique, la Longsword. Comme vous voyez, vous pouvez voir ses stats. C'est une arme, c'est l'arme que tu as gratuitement. C'est pas l'arme la plus forte, mais quand tu es bon au jeu, est utile quand même des fois. Celle-là aussi est bonne. Moi, je suis habitué avec les armes comme hache. Celle-là est vraiment forte parce que son attaque, elle peut aller loin. Puis, genre, tu. Personne n'est habitué à cette arme-là. Genre, moi aussi, je me fais encore tuer par cette arme-là, qui devrait être, je pense, une des armes les plus chères. Celle-là, elle est pas très forte. Elle fait à peine la moitié de la vie de l'ennemi. Celle-là est forte, par exemple. J'ai beaucoup joué avec. Je suis habitué. Normalement, dans le jeu, il n'y a pas d'arme meilleure que les autres. C'est toi qui décides celle qui est plus forte. Genre là, t'as la Battle Axe. T'as le Warhammer. Le Warhammer, c'est une des armes les plus fortes. Là. Ben, une des armes les plus utilisées. Plus trop maintenant, parce que pas mal de monde utilise soit ça. Ça, ou dans ces armes-là. Je sais plus trop. T'as souvent des gens qui utilisent les autres. T'as la Greatsword, qui est une arme vraiment forte. C'est genre l'enfant de cette arme-là. Je sais que ça se voit là. Genre, elle est moins longue, elle va plus rapide, puis elle est forte. Elle fait 31 de dommages là. T'as la War Axe avec, qui est une des nouvelles armes. Genre, les 4 dernières. 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 dernières armes, c'est des armes pas mal puissantes qui sont sorties dans la dernière mise à jour. Ça, c'est la War Axe, 31 de dommages. Quand même, petite, c'est une des mes armes que j'aime beaucoup. Ces 3-là, ces 4-là, c'est mes favoris. Celle-là, elle peut aller un peu loin. C'est comme la lance, sauf qu'elle a une attaque en plus. Même chose pour celle-là, sauf que celle-là va plus loin puis elle fait un peu plus de dégâts. Ah non, il faut le même dégâts. T'as celle-là qui fait moins de dégâts mais qui va loin, comme celle-là. Puis qui va rapide. Non, tu tues en genre 4, 3 coups avec environ. Celle-là, tu tues en 3 coups. Celle-là, tu tues en 4 à 5 coups. Celle-là, c'est la plus chère puis elle est vraiment forte. 38 de dommages. Quand même pas long le cooldown. Elle est vraiment forte et longue en plus. Genre vraiment longue. Donc les gens peuvent pas te toucher des fois. Ensuite, on a les lights, ceux qui vont rapide, genre t'as celle-là à 26, l'arme que t'as au début. Comme la Longsword. T'as elle. Je vais rien dire à propos de ceux-là parce qu'ils sont toutes pas. À part celle-là est longue comme. C'est la même chose que la Spear. Celle-là est quand même forte, pas mal utilisée. Celle-là est vraiment rapide. Celle-là est vraiment forte, 27 de dommages, pas mal. C'est une arme lourde version mini qui coûte pas mal cher. Quand même pas mal rapide pour frapper. Ça, bof, pas fort. Ça, c'est comme celle-là, mais en plus rapide. Après, t'as celle-là qui est pas du tout utilisée, qui va un peu loin, qui fait 13 de 27 de dommages. Quand même pas beaucoup. Celle-là, c'est une que j'utilise le plus, vu qu'elle peut aller quand même loin. Là, elle est pas mal forte. T'as celle-là avec qui est comme le katana. C'est la même chose, sauf que le slash. Celle-là, il prend plus de temps. Donc, le katana, il est meilleur. En quelque sorte. Ouais, le katana est meilleur. Ensuite, t'as les range. T'as le longbow, qui tire rapidement, qui est facile. Sauf qu'il faut que tu tiennes longtemps. Puis ensuite, t'as le crossbow, que celui-là, tu peux y aller à ta guise. Là. Moi, je l'utilise pas trop parce que j'ai trouvé vraiment trop cheaté. Sinon, ça va être ça. Prochaine vidéo, je pense à venir jeudi. Sûrement du Minecraft ou encore du Roblox. Sûrement un autre jeu avec Julien. Ça sera jeudi ou mardi que je vais aller uploader. Je vais uploader sûrement deux vidéos mardi. Passez une bonne soirée. Ciao. Ah, c'est le bouton. Bouton, bouton. Ouais, il est là. Ciao.